Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la belote et à la coinche. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si ça te plaît et pour pouvoir faire grandir cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir l'erreur à éviter. Et l'erreur, c'est de faire couper son partenaire. Donc là, je remets dans le contexte, on est dans la dernière manche. Les adversaires ont 510 points, nous on a 84. Alors c'est la prochaine. Et donc, ben, c'est la dernière manche. Et le tout, c'est d'essayer de marquer des points pour ne pas perdre. Donc les adversaires, eux, parlent à pique. Moi, je n'ai aucun pique. J'ai un jeu... Ben, je ne peux pas vraiment parler, en fait. Et là, mon partenaire va proposer donc du tout à tout. Alors, tout à tout, je me dis que ça peut être intéressant. Et donc, je me lance dans du cœur. 120 cœurs, je tente. De toute façon, c'est un petit peu le tout pour le tout. C'est la dernière partie. Si je perds, je perds, tant pis. Mais au moins, j'aurai essayé de faire quelque chose. Et donc, on est parti sur du 120 cœurs. Mon adversaire me fait couper à pique, puisque je n'ai absolument pas de pique. J'ai un atout en moins, je fais tomber le reste. Par chance, mon partenaire donc a le valet de cœur, c'est quand même une sacrée chance. Donc il y a 5 atouts de sortie, il en reste 3. Et qu'est-ce que va faire mon partenaire? Me faire couper. Il fait couper. Et bah, franchement, c'est ce qui va nous mettre dedans. Voilà, oui, je suis en colère. Il n'y a pas le bonhomme de la colère ici, sur cette plateforme, mais voilà, c'est ce que ce que j'avais envie de faire. J'étais très en colère, donc il reste un atout. Et là, ben, les partenaires font couper, il n'y a plus d'atout. Moi, je n'ai plus de points. Et mon partenaire n'est pas maître et il nous met dedans. Voilà, donc la chose à éviter, c'est de faire couper son partenaire. Au lieu de m'envoyer du pic, il aurait, même si je n'avais rien, dans les mains, mais c'est de chercher à savoir qu'est-ce que j'ai d'autre, en fait. C'est comme ça qu'on parle avec son partenaire, en envoyant des cartes, d'autres cartes. Il n'y a aucun intérêt d'envoyer du pic s'il sait que je n'ai pas de pic, à part me faire couper. L'objectif, c'est de faire couper les adversaires, pas les partenaires. L'objectif, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que le partenaire a en main. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec des personnes avec qui vous jouez à la belote contrée coinche ou une personne qui débute pour apprendre donc toutes les techniques pour pouvoir devenir imbattable en belote. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.